Salut les touristes. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau véhicule que je vais vous présenter par la suite. Donc vidéo résumé des vacances pour commencer. Ensuite vous expliquer pourquoi j'ai changé de véhicule. Là vous allez comprendre beaucoup de choses. Et puis sur le devenir un petit peu de la chaîne aussi. Donc, résumé des vacances, franchement les vacances, c'était extra. Toujours trop court, mais on a passé un super bon moment. On est presque parti un mois. Donc on n'est pas riche, hein. Moi je gagne pas 3000 euros par mois. J'ai changé de boulot aussi, donc encore ça je vais vous expliquer après. Avant je travaillais de nuit en usine et maintenant je suis passé... à la maintenance en fait. Je m'occupe d'une grande chaîne et puis voilà, je suis passé à la maintenance. Et donc le résumé des vacances, c'était super. La première semaine surtout on a visité toute la Dordogne. On a réussi à trouver des aires gratuites facilement, des coins pour se stationner facilement. Il y en a certains qui nous plaisaient pas, on est passé au suivant. L'application Park4Night nous a aidé pas mal, mais elle nous a induit aussi pas mal en erreur sur certains emplacements où on a dévié pas mal de notre route en fait pour trouver le point. Sur les photos ça avait l'air sympa sur Park4Night. Et on tombe sur des panneaux camping interdit, camping car interdit. Et les panneaux, au vu comment ils sont posés, ils datent pas d'hier. Donc voilà, et les commentaires sur Park4Night ne spécifiaient pas l'existence de ces panneaux. Donc pas mal déçu avec Park4Night, même si on a réussi à trouver des super jolis coins. Donc je pense aussi à Merindol. On a rejoint Seb et Audrey. Pour leur ramener Eleanor, et on était à Merindol et en pleine forêt. Merindol, c'est au-dessus, c'est à côté de Salon de Provence, à côté de Pertuis-Cavaillon. Donc voilà, c'est quand même des endroits qui sont prisés, et franchement, on a trouvé un super joli coin où on a dormi avec. Avec Seb et Audrey, eux dans leur camping-car et nous dans le nôtre bien sûr. Et voilà, donc le camping-car, quand on voit certaines chaînes, dont la chaîne, j'appelle ça la chaîne Père Castor, qui a toujours une histoire à raconter, qui nous dit qu'on peut plus rien faire en camping-car. Non, en camping-car on peut encore stationner. Il y a des mairies qui encore sont pour les camping-cars et on le voit très bien dans d'autres chaînes de. Si vous regardez d'autres vidéos, je suppose que vous êtes abonné à d'autres vidéos sur d'autres chaînes sur YouTube. On le voit très bien qu'ils trouvent encore des emplacements gratuits, sans souci. Seb et Audrey ont fait le tour de France avec un bus camping-car et ils n'ont eu aucun souci pour le moment avec leur bus et gratuitement. Ils n'ont rien payé encore comme stationnement. Donc voilà, donc faut arrêter de... Certaines chaînes, voilà, c'est un petit peu débile de dégoûter les gens pour essayer de garder. Non, le camping-car, on trouve encore des coins. Ça devient de plus en plus dur. Les mentalités sur le camping-car de camping-caristes ont changé parce que, voilà, nous on est des jeunes, on a la mentalité. Je l'espère. Après, est-ce qu'il y a une mentalité camping-cariste? On a le mot respect déjà. Et quand je vois comment certains anciens qui sont là avec leur gros camping-car, la flambant neuf, qui tombe toujours en panne, ça c'est pareil, j'ai encore une anecdote à raconter là-dessus, qui nous regardent de haut, il n'y a même pas un bonjour, rien du tout, mais voilà, c'est dommage, mais maintenant les camping-cars, on en trouve à des prix abordables. Et si moi je peux faire profiter ma famille à voyager, je vois pas pourquoi je me priverais. Voilà, c'est pas parce qu'on est des jeunes qu'on n'a pas le droit d'être en camping-car. Après, c'est sûr, c'est pas nous qui vidangeons nos cuves d'eau sale et nos chiottes en pleine nature. Moi, je suis paysagiste de métier.
chier, j'ai respecté et je respecte la nature. Je fais super attention à beaucoup de choses, même nos toilettes chimiques, on ne les vide pas dans des toilettes. Les toilettes chimiques de camping-car, ça se vide vraiment dans un endroit spécifique. Il ne faut pas vider ça dans les toilettes. Il y a des produits qui demandent un traitement spécifique. Et c'est pour ça qu'il y a des cuves qui sont prévues à cet effet. C'est pour ça d'ailleurs que ça, voilà, malheureusement, ça devient, c'est cher. C'est pour la mairie à faire vider, à faire traiter. C'est cher et c'est pour ça que beaucoup d'air passe à des aires payantes. Voilà. Enfin, nous, on essaye, quand l'air est gratuite, on essaye de faire profiter les commerces, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, mes précédentes vidéos de vacances. Si vous ne les avez pas vues, vous allez dans la playlist et vous regardez vacances 2017. Vous allez voir, il doit y avoir 4-5 vidéos sur nos vacances qui est super bien expliquée. Et voilà. Donc oui, une anecdote, on était à Vallon-Pont-d'Arc et un camping-cariste à côté de nous, voilà, c'était un couple reconstitué, ils avaient 70 ans je crois, un truc comme ça. Ça faisait 2 ans qu'ils se connaissaient et je l'entendais, elle, comme quoi ils avaient des soucis pour le gaz et tout ça, qu'il y avait des gros problèmes, qu'ils avaient plein de peur de congélateur, qu'ils allaient la perdre et tout. Donc j'y suis allé voir parce que bah, franchement ça me faisait pitié pour ce monsieur. Et en fait, tout est maintenant, c'est... Franchement, je regrette pas mon nouveau camping-car. Si vous allez en acheter un neuf, pensez-y à deux fois si vous avez un ancien camping-car. Plutôt faites-le rénover, restaurer. Et gardez-le, parce que quand je vois les neufs comment c'est fait, enfin bref, c'était un petit purgeur qui était déjà mort. C'est tout neuf mais c'est déjà mort. Il a la position des deux bouteilles de gaz, on a juste inversé parce qu'ils ont une autre bouteille de gaz, mais c'est une bouteille de gaz espagnole et ils se la gardent pour l'Espagne parce qu'ils passent l'hiver en Andalousie et donc voilà, on a inversé la bouteille espagnole, la bouteille française et ça a marché. Et le monsieur était dégoûté parce que bah, son store à l'avant sur le pare-brise, le deuxième jour, le store il lui reste dans les mains. Voilà, enfin plein de trucs. Le store qui lui reste dans les mains, il y avait. La bouteille de gaz, un problème électrique. Et en fait, ce monsieur, ce couple, ils se sont fait avoir. Ils avaient des anciens camping-cars tous les deux, ils se sont connus avec les camping-cars. Ils ont vendu chacun le leur pour acheter un neuf. Sauf qu'ils ont acheté ça à un salon de camping-car, bien sûr, et ils ont été beaucoup, beaucoup trop vite. Et ils traquent une voiture, et avec la voiture derrière tractée, il n'avait plus le droit de conduire le camping-car. L'ensemble n'était pas homologué en fait pour tracter. Donc il a dû prendre la gamme en dessous. Donc il avait un véhicule neuf. Il a dû perdre. Il ne l'a pas dit, hein, puis j'ai pas demandé parce que je crois que ça les embêtait déjà assez d'en parler. Ils ont dû perdre pas mal d'argent et ils ont repris en neuf le modèle taille en dessous. Mais taille en dessous, la dame, elle a voulu un grand salon. Et c'est pour ça qu'ils avaient pris ce grand modèle. Et sauf que le modèle en dessous, bah, la taille, elle est reprise dans le salon où le salon est réduit et donc ça leur plaît pas. Donc voilà, donc ils vont rechanger encore de camping-car. Vous imaginez, je ne vais pas vous citer la marque, hein, mais vous imaginez l'argent perdu à chaque fois pour des bêtises. Alors, quand vous achetez un camping-car, prenez bien votre temps. Prenez votre temps surtout. Sinon, les vacances, le barbecue que je vous avais présenté pas en test, mais voilà, que j'avais acheté, et ben, je vais vous le présenter parce que franchement, il est extra. Il est tellement extra qu'il chauffe même de trop. Je vais devoir boucher les entrées d'air qui sont en dessous parce que le charbon n'est pas posé à même le fond. Et en fait, il y a trop d'air qui passe. Et en 5 minutes, vous l'allumez, en 5 minutes, vous avez des braises bien rouges, nickel. Mais voilà, ça demande. On l'arrose souvent, justement, pour pas que ça prenne feu. Voilà, sinon franchement pour le prix super. Les douches Décathlon, alors là c'est extra. Je vous expliquerai, je vous ferai une
présentation complète de ces douches. On a pu passer 2 semaines de douche à 3 sur une douche. Donc ma femme, ma petite et ma grande, il leur fallait une douche complète de Décathlon pour se doucher. Donc avec 2 douches, vous avez de quoi vous laver à 4 sans souci. Bien sûr, pas des douches de 2 heures, hein. Voilà, faut rester réaliste, mais on avait pas besoin du gaz, sauf pour le frigo, on n'avait pas encore de solution. Je fais attention, il y a des travaux. C'est une zone en plus où il y a un radar, si vous pouvez l'éliminer ce radar là, ce serait royal. Les vélos, on les a pris presque pour rien, sauf à Saint-Laurent-de-Carnol où on les a pris 2 fois pour faire 3 km. Voilà. Alors ça m'énerve parce que j'ai un vélo qui de marque Orbea qui vaut quelques petits billets et il s'abîme à être transporté derrière le camping-car. Et franchement ça me fait mal. Ça me fait mal, il est frotté sur les porte-vélo, sur le porte-vélo, entre les autres vélos, les câbles, quand on les attache, quand on les sangle, ils se sont tirés un peu. Comme c'est des freins à disque, c'est des durites, enfin voilà. Donc ça me fait chier. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'ils s'abîment. Mais je crois que maintenant c'est fini, les vélos en camping-car, on ne les prendra plus. On verra pour les trottinettes électriques. Donc pareil, ça coûte un petit peu de sous, mais je crois que ce sera le mieux. On va attendre, on a déjà il nous manque 2 trottinettes adultes, et mes filles ont chacune la leur, et on verra. Bon, déjà, une trottinette normale, c'est peu onéreux. On verra si on fait des grands parcours, si on achète, si on passe à l'électrique, si ça peut être valable ou pas. Parce que si on passe à l'électrique, on passera du coup le camping-car en panneau solaire. Obligatoirement. Ensuite, le camping-car en lui-même, il a rempli son rôle. On était super, super contents. On a fait plus de 2000 km. À chaque fois qu'on passait un col, je serrais les fesses parce que l'embrayage, je ne sais pas du tout s'il a été changé ou pas. Bon, il a 200 000, je suppose qu'il a déjà été changé. Mais je crois que je vais le faire changer ou je vais le changer cet hiver parce que voilà, ça m'ennuie de tomber en panne pour une panne comme ça alors qu'on peut le prévoir, l'été. Donc on va essayer de prévoir ça dans le budget. J'ai rencontré quelques abonnés, alors je suis désolé, surtout à Méradol, je sais plus ton prénom, mais franchement on s'est vraiment croisés parce que Seb et Audrey faisaient leur rencontre d'abonnés, et voilà, comme on en a déjà fait plusieurs, et puis bah, nous c'est nos vacances aussi, on est parti et voilà, il y a un abonné qui m'a reconnu, qui a reconnu camping-car, et qui a le même camping-car que moi. Donc on n'a pas eu le temps de discuter vraiment. C'est bien dommage. J'espère que quand tu seras dans mon secteur, et je pense que tu y es souvent d'après ce que tu m'as dit, hop, je vais mettre un peu de ventilo, j'espère que tu me le diras, qu'on puisse aller boire un verre ensemble. Oui, franchement royal le camping-car. On est remonté d'une traite par contre. On est passé de plus de 35 degrés à 13 degrés, je crois. On avait 13 degrés à Clermont-Ferrand. Donc ouais, tant pis, on a pris l'autoroute. Alors voilà, ça m'ennuyait aussi un peu mais au moins c'était direct pour rentrer. On a pris notre temps en vacances, on n'a pas pris d'autoroute, rien du tout, mais pour remonter, on a attendu le dernier moment et puis on est remonté du coup un jeudi. Au moins on n'avait pas toute la circulation du week-end. Et au moins à la maison, on a pu se reposer calmement, vider le camping-car,
tout préparé pour le prochain voyage qui ne serait tardé. Ça devrait pas tarder normalement. On devrait faire un petit week-end. Donc, en même temps, je vous montrerai mon matériel de détection. Je voulais vous faire une vidéo. On a eu l'occasion de partir ce week-end à Versailles. Je voulais vous faire une super vidéo parce que voilà, Versailles, c'est Versailles d'après ce qu'on nous en dit. Et franchement, on y est allé en voiture pour que ça aille plus vite parce qu'on y allait sur la journée. On avait 2h30 de route aller, 2h30 retour, donc ça allait encore. Dégoûté, on fait que payer. Alors vous allez me dire, à chaque fois je remets tout à l'argent, mais là ouais, 18,50€ pour se garer en voiture, 27€ l'entrée, ça c'est normal, donc pour moi et madame, gratuit pour les enfants. Donc on visite le château, on fait la queue bien sûr, on visite le château, puis on tombe sur des amis en plus d'ici qui sont des super bons amis. Donc on s'est dit on va pique-niquer dans les jardins, et puis pas dans les jardins parce qu'on n'a pas le droit de pique-niquer dans les jardins, mais voilà, c'est un lieu spécifique pour pique-niquer. Et là, donc moi je rentre, ma femme rentre, ma petite rentre, et il dit à ma grande, non tu rentres pas, t'as pas de billet. Et oui, il faut repayer, au-dessus de 6 ans, il faut payer. Donc re 8€, ensuite il y a le petit Trianon, je crois, et le grand Trianon qui sont au fond du parc de Versailles. Donc voilà, ma dernière, elle a 5 ans et demi, donc bon, pour marcher, c'est pas tellement évident. On s'est dit, on va voir, on va essayer de prendre la navette. 7,50€ par personne pour prendre la navette. Donc voilà, on a laissé tomber, on y est allé à pied. Donc on a fait pas loin de 10 km quand même. Donc la petite a fait les 10 km. Et c'est une grosse marcheuse quand même parce que depuis ses 2 ans, elle est plus en poussette. On lui a dit maintenant, t'es grande, tu marches. Et voilà, maintenant je suis content parce que elle arrive à faire des petites randonnées quand même. Elle était fatiguée quand même sur le retour. Mais comme quoi, si on les motive, ils arrivent à marcher pas mal. Ensuite, voilà, donc j'ai pas fait la vidéo parce que ça m'a dégoûté, et puis ça irait pas avec ma chaîne. Ma chaîne, c'est rester simple avec, pour moi, peu de moyens. Et là, c'était pas dans le thème. C'était pas dans le thème de ma chaîne. Le 4x4, là on est à bord d'un Nissan Patrol de 2001, c'est un 3 litres 4 cylindres de 160 chevaux. Donc, il a 280 000 km par contre, il a un petit peu de kilomètres, mais ça cote encore, hein. C'est très très dur d'en trouver à pas cher, d'ailleurs je n'ai pas trouvé à pas cher, ou alors c'est des épaves. Là, celui-là me paraissait correct sur les photos, pas très loin de chez moi, donc j'ai été le voir. Et puis voilà, vendu, je l'ai pris. Donc oui, je ne sais plus où j'en étais, j'ai été chercher ma remorque, j'ai été finir mes travaux, j'ai des trucs à aller chercher à une cuisine d'un copain. Et le 4x4 est tellement large que je vois même pas ma grosse remorque derrière. Il est bien là. Donc oui, j'ai acheté un Nissan Patrol. Alors en fait, je vais l'aménager pour dormir dedans aussi. Mais juste, vous allez me dire, j'ai déjà un camping-car, nanana. C'est juste pour... dans des endroits où on ne peut pas aller en camping-car, parce que je conçois, il y a des villes comme là, Versailles, en camping-car, j'ai même pas regardé, j'ai même pas cherché des panneaux ni quoi que ce soit. J'ai dit c'est mort, de toute façon j'aurais fait la vidéo en sortant, en ayant compris comment ça fonctionnait et tout ça, pour vraiment vous expliquer au mieux. Mais là c'était même pas la peine. Et donc parce que il y a des vidéos comme je pense Kangoo Van. C'est super, mais déjà un Kangoo, on peut le voir dans ces vidéos, hein, il s'est déjà fait arrêter, et ça faisait plusieurs nuits qu'il passait au même endroit. Et ça attire déjà, ça fait fourgonnette, ça fait petite fourgonnette, et tout ce qui fait petite fourgonnette, maintenant ils ont tendance à vouloir regarder pourquoi c'est, si c'est pour dormir dedans, avec tout ce qu'il
monospace. Un monospace, ça attire pas l'œil parce qu'il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Regardez, pour pas citer de nom, c'est Renault Scénic, Picasso, Citroën Picasso, Opel Zafira. Vous tournez la tête, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, à force de les voir, ça attire même plus l'œil. On regarde même plus. Si on voit pas ce qu'il y a dedans et finalement c'est aménagé pour dormir dedans, voilà, vous allez partout où vous voulez. Une fois que vous mettez pas la table derrière pour goûter et tout ça, alors c'est sûr, pour manger à 4, non, c'est mort. Je sais très bien. Mais si le samedi midi vous faites des sandwichs, des petits bars, le soir vous faites une petite brasserie, et le lendemain sur la route, le dimanche midi, vous faites un McDo, alors c'est sûr, voilà, c'est pas négatif. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Mais vous prenez le petit réchaud des Decathlon, et puis vous mangez chacun comme ça, voilà. Bref, je vais voir. Moi, je vais essayer de l'aménager pour qu'on puisse dormir à 4 dedans. Parce que franchement, c'est... hop, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est long. C'est très très long. Donc à mon avis, il y a de quoi faire un truc correct pour être à 4 dedans. J'ai mis une petite caméra aussi, une Géonaute de chez Decathlon en haut. Donc là, c'est la GoPro. Ici, c'est la Géonaute. Essayer de faire des montages entre les deux, je vais voir, parce que les montages, moi c'est pareil, ça me fatigue un petit peu, mais si je peux faire quelque chose de bien entre les deux caméras, je vais voir ça. C'est pour ça que là je l'ai réglé, parce qu'il était en train de descendre avec les vibrations. Donc faire un aménagement pour dormir à 4 avec deux en bas, deux en haut, croisés, on va voir ça, je vais essayer d'étudier la chose. Et donc il va y avoir des vidéos avant de bricolage mécanique. Donc là je fais un petit salut en même temps à la chaîne Mécano du Dimanche. Donc je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Vous allez voir, c'est une super chaîne où il parle de mécanique. Et justement il est en train de se tâter pour... il avait fait un test avec un camping-car et où il aimerait bien maintenant acheter un camping-car. Donc voilà, je ne sais même pas où il en est. En même temps, s'il voit cette vidéo, ben écoute, donne-moi de tes nouvelles et puis me dis où tu en es dans ta recherche. Et avant de l'aménager, tout ça, je veux faire une grosse remise en état. Donc je vais louer une champouineuse. Donc, ça va me servir aussi pour refaire mes housses de camping-car. Donc je vais vous montrer combien ça me coûte, combien le temps que je mets pour faire mes housses. L'eau, si elle est dégueulasse, mes housses, elles paraissent propres. Hein. Après, voilà, je serais peut-être étonné si elles, trouvent, elles sont super propres, j'en doute. Mais en tout cas, elles paraissent nickel. Parce que le 4x4, il y a une grosse remise en état à faire à l'intérieur sur tout ce qui est siège, tissu au sol. Donc là, je vais démonter tout l'intérieur. Sur la 106, j'avais démonté même la moquette au sol. Là, je sais pas si je vais démonter la moquette au sol parce que c'est pas une 106. Dans sa conception. Je vais démonter tous les sièges et je vais passer un coup de champignonneuse partout. Je vais vous mettre le prix de la location parce que j'en ai pas, hein, je vais en louer une. Le prix de la location, le temps que j'ai passé à faire l'intérieur, comment j'ai démonté, comment j'ai remonté, parce que ça peut donner aussi des idées à certains. Parce que on pense des fois à acheter des produits qui vaut plus de 30 ou 40 euros. Alors que la champignonneuse à première vue, je dis bien à première vue, là c'est 25 euros la location et l'embout pour les sièges. Sièges, ils appellent ça sièges et canapés, je sais pas trop quoi. C'est 6 euros. Enfin bref, pour 30 euros on va dire, on peut tout avoir la journée. Donc voilà, je ferai le test complet et puis je vais voir ça. Je vais tout vous filmer, le avant, après, le pendant. Je vais faire un time-lapse avec une des deux caméras. Enfin bref, je vais essayer de vous faire un truc propre. Donc ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, parce que je sais qu'il y en a énormément qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Où je vais mettre aussi le lien en dessous de la chaîne de Mécano du Dimanche pour s'abonner. Je vais mettre marqué deux petits points s'abonner, cliquez ici et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour s'abonner. En même temps, je vais parler de la chaîne. On est passé de 200 abonnés à 580.
pas loin de 600. Alors franchement, merci à tous, merci à toutes. C'est extra. Je pensais pas du tout en arriver là. En plus, je repasse au niveau du radar parce que je refais la route dans l'autre sens. J'ai vraiment été pour chercher ma remorque. Mais les panneaux qu'il me donne, mon pote, là, ils dorment dehors. Et l'usine où il est, ils vont pas tarder à disparaître. Donc je vais aller les chercher aujourd'hui. C'est pour ça, c'est pas écologique. Je le conçois. J'en étais où? Je sais plus. À force de parler. Donc du nettoyage du 4x4, oui, pour s'abonner, voilà, la chaîne, ouais, elle a fait un super bon, alors franchement, je vous remercie, c'est extra. Hop, on remet sur le côté, c'est extra, je pensais pas du tout avoir autant d'abonnés, pour moi, ça aurait été une petite chaîne, et puis voilà, on serait resté 200, 300 000. Mais là, voir que ça monte, et même le YouTube monnaie, là, la monétisation YouTube, voilà, en un an, moi je vous cache rien, en un an j'ai gagné plus de 170$ grâce à mes vidéos. 170$. Donc, et ça monte encore, et ces derniers temps, je peux vous dire, c'est très très haut. Donc voilà, je ne m'attendais pas à gagner autant par jour. Maintenant, je peux dire que je gagne plusieurs euros par jour. Donc, voilà, moi, c'était pas le but. Hein, et ça ne l'est toujours pas. Mon but, c'est surtout d'aider les gens, d'entraider, de créer une entraide. Et ça marche parce que je reçois encore des messages de certains qui ont toujours besoin des services et qui me remercient. Et certains ou certaines font des vidéos et me remercient à travers leurs vidéos. Et voilà, et rien que ça, ça me fait super plaisir. Donc voilà, si en plus je peux gagner de l'argent, c'est que meilleur, surtout avec les temps qui courent. Et comme effectivement j'ai changé de boulot, je travaillais avant en usine et de nuit, donc je gagnais bien ma vie. Par contre, de nuit, à faire, je faisais 4 nuits par semaine et je gagnais presque 2000 euros par mois. Enfin, j'ai gagné 2000 euros par mois. Certains mois où voilà, et franchement c'était extra. Mais alors travailler de nuit, franchement, les gens qui travaillent de nuit savent de quoi je parle, les autres peuvent juste imaginer. Mais si vous avez quelqu'un de votre entourage, quand je parle entourage, pas mari ni quoi que ce soit, mais quand, hop, je fais signe parce que hop, ici pour passer, je peux pas vous montrer, même ni avec l'autre caméra. C'est pas évident pour circuler. Derrière. Et je sais encore plus où j'en étais. Oui, je faisais 4 nuits par semaine. Mais je rentrais chez moi, ben voilà. Quand vous rentrez chez vous après votre journée de travail, vous. Ah oui, non, j'en étais sur les conjoints. Oui, si vous avez des conjoints, donc vous savez ce que c'est. Mais par contre, si vous avez juste des amis qui travaillent de nuit, bah, arrêtez, envoyez pas de texto quand vous savez qui dort. C'est voilà. Si vous avez un voisin qui travaille de nuit, ne tendez pas la pouze à 11h le matin. Voilà, respectez. Après, chacun a son cycle pour dormir le jour. Voilà, vous demandez. Après voilà, c'est juste vraiment une petite parenthèse, mais pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est usant. J'ai mis 4 semaines à revenir à un cycle de jours. J'ai passé des nuits complètes à voilà, être sur YouTube, hein, à attendre. Alors des fois, je me dis non, je vais pas prendre le portable pour aller sur YouTube, je vais attendre. Et on passe 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 5h à attendre. Au bout d'un moment, voilà, au téléphone. Donc, et j'ai mis 4 semaines à revenir dans un cycle de jours. Donc j'ose même pas imaginer si je serais reparti à nouveau retravailler une nuit au retour de mes congés, ce que ça aurait donné. Quand on a été à Rennes à la rencontre abonnée de Seb et Audrey, au retour j'ai la tête qui est tombée pas très loin de la maison, à 15 km. Et voilà, on était avec le camping-car et ma femme l'a vu et juste où elle mettait la main pour me réveiller. Et voilà, j'étais épuisé.
Donc voilà, voilà, le travail de nuit, franchement, c'est vraiment pas évident. Je me fais avoir à chaque fois. Ce 4x4 là, je me sens pas roulé en fait. Je suis à déjà à plus de 100 alors que c'est 90. Et voilà. Donc oui, le boulot, maintenant je suis à la maintenance. Je fais mes 35 heures. Le travail me plaît. Voilà, je change du tout, tout, tout. Mais au moins ça me plaît. Je suis dans un rythme de jour, dans un rythme normal, entre guillemets. Et du coup, j'ai changé de véhicule. La 106, je l'ai revendu. Et j'ai racheté le 4x4 du coup pour faire mon bois de chauffage, faire aussi quelques petites, alors pas randonnées 4x4, mais randonnées tout chemin, on va dire, parce que moi j'ai pas envie d'aller le casser dans, parce que là-dessus le coût des pièces c'est pas donné non plus. Donc je vais en prendre soin, je vais faire des vidéos mécaniques. Donc vidange de pont, vidange de poids de vitesse et tout ça à venir sur la chaîne. Donc je sais que ça va aider certains aussi dans les camping-cars, parce que les vidanges de pont, je pense aux Ford de Transit où c'est des propulsions, certains Mercedes aussi. Là c'est vraiment pas compliqué, il y a juste une huile à respecter, un indice suivant les données constructeurs. Vous respectez ça et puis après vous allez voir, je vais tout vous expliquer. En premier lieu, il y aura un tuto révision, voir où en est l'état du véhicule. Donc démonter les roues, vérifier les disques et tout ça, vérifier les serrages de tous les écrous, ne pas avoir comme la surprise du camping-car où tous les écrous sont serrés à mort. Et le jour où il y a une panne, vous l'avez bien profond, vous êtes obligé d'appeler un dépanneur. Donc voilà, je vais vraiment faire un truc complet. De vérification de l'état du véhicule. Alors là, vous allez me dire, ça n'a plus rien à voir avec le camping-car. Mais en même temps, ma chaîne, dans la description de ma chaîne, c'est bien expliqué que c'est pas que le camping-car, c'est aussi ma vie. Il va y avoir aussi la prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder parce que je ne l'ai pas encore fait et je devrais la faire normalement ce week-end. Mon réservoir de granulés pour mon poêle à bois. Vous voyez, ça n'a rien à voir, mais j'ai un poêle à bois. Et quand je vois le prix des réservoirs de granulés, à quel prix ils vendent ça? Et donc là, j'ai envie de me faire mon réservoir à granulés à partir d'un extincteur. Et comme ça, qu'on soit plus embêté la nuit à se relever pour mettre des bûches. Après voilà, c'est embêté, se lever pour remettre une bûche, c'est pas grand chose. Il y en a, ça les fait chier, mais là, si je peux éviter et trouver un... grâce à ce système et pas perdre en chaleur, et au prix des granulés actuels, le bricolage, franchement vous allez voir, ça va me prendre plus de temps que de matériaux, parce que il y a un disque à découper, un forêt tulipe que j'ai déjà acheté, mais ça m'a coûté une quinzaine d'euros, je crois, frais de port compris. Parce que si vous allez à Brico Dépôt, là-dedans, mais si vous allez à Leroy Merlin Castorama, c'est le truc qui va vous coûter déjà une fortune, ça doit être 75 euros. C'est une tulipe avec plusieurs angles de, enfin plusieurs diamètres de perçage en fait. Mais tout ça, je vais vous le montrer, je vais vous prendre le temps de vous faire une vidéo avec les deux caméras. Je vais essayer de vous faire un truc correct. Je sais pas ce que ça va donner parce que ça demande beaucoup de montage. Et passer mon temps à faire du montage, je trouve que c'est un peu du temps perdu, même si ma fille dans ses vidéos fait des montages et des beaux montages, et quand je vois le résultat de Seb, le temps qui passe à faire ses montages aussi, et quand on voit le résultat, franchement c'est nickel. Mais Seb, je l'ai vu quand ils étaient quand ils sont revenus de Bordeaux et ils passent énormément de temps sur ces choses-là. Et à côté de ça, pour moi, c'est mon avis, c'est du temps perdu aussi avec sa famille, avec ses enfants, enfin bref. Mais moi j'ai pas envie de passer mon temps à faire des super gros montages, déjà parce que j'y connais rien en
tout ce qui est informatique trop poussé, alors là, je suis complètement paumé. Donc là, j'ai acheté un logiciel, c'est Vidéo Deluxe, pour ceux qui connaissent. J'ai acheté ça parce que bah, avec la GoPro et puis la Geonote sur iMovie, pour ceux qui ont un iPad ou un Mac et tout ça, ou un iPhone, et bah, c'est pas possible. Enfin voilà. Donc je vais essayer de faire ça proprement, correctement. Si ça vous plaît, vous le dites. Je sais même pas du tout au moment où vous allez voir cette vidéo là, si ça se trouve, il n'y aura que le montage sur la GoPro. Parce que ça m'aura saoulé et j'aurais arrêté avec la Geonote, je sais pas du tout. Et voilà. Donc si vous avez des idées d'aménagement de petits véhicules genre monospace, pas les kits tout faits, hein. Les kits tout faits, moi j'ai pas envie de faire une cuisine, une salle de bain et tout là-dedans. Moi c'est juste un lit. En bas, deux personnes, un lit en haut, deux personnes aussi, la douche solaire. Alors après, il va falloir que je le mesure parce que je sais pas, il va falloir que je regarde pour passer sous mon atelier. Parce que j'aimerais, voilà, comme il est très très haut quand même, je voudrais garder la hauteur pour passer sous mon atelier pour faire les révisions quand il pleut, des trucs comme ça, ou même le réparer. Que si un jour il pleut et qu'il faut réparer dehors sous la pluie, c'est pas trop mon truc. Même si voilà, je suis étanche, hein. C'est comme certaines vidéos où il y en a qui peuvent aller à Koh-Lanta, mais Koh-Lanta les prendront pas parce qu'ils sont trop forts et puis qu'ils vont faire une randonnée en vélo, ils sont obligés de rentrer parce qu'il pleut. Voilà, enfin, ça me fait sourire. Et il y en a qui reconnaîtront de qui je parle, mais enfin, bref, peu importe. Voilà, si je peux bricoler au sec, ce sera déjà mieux. Ensuite, je vais avoir là-dessus 4 pneus à changer parce que là, les 4 pneus sont en profil route. Et je veux des profils crampons, mais vraiment gros crampons. Alors si je peux, je vous mettrai une photo dans la vidéo si j'y pense, mais je sais pas si je vais couper ou pas à ce moment-là. Mais ouais, vraiment un truc à gros crampons. Parce qu'en fait, la bête, elle fait quand même presque 2,5 tonnes à vide. Donc voilà, je vais pas prendre beaucoup plus en largeur. Je vais rester dans la largeur où il est actuellement. La largeur, je crois que c'est correct. Parce qu'après, c'est le moteur qui va... qui va peiner. Même si ça fait 160 chevaux... pas un truc, c'est pas une bête de course non plus, hein, il n'est pas prévu pour monter à 180. Et du coup, voilà, pour avoir vraiment un look 4x4, alors je mettrais peut-être un snorkel. Un snorkel, c'est les tubes qui ressortent des 4x4, vous voyez, ça fait comme une gouttière au niveau du pare-brise avec une boîte en haut. Alors, si vous vous demandez à quoi ça sert, en fait, c'est pour aller, c'est l'entrée du filtre à air. C'est pour aller dans l'eau, c'est pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre au niveau du filtre à air en bas au moteur. Et là, comme il est en l'air, il ne prend pas l'eau. Si vous pouvez passer dans une rivière, à part pour l'électronique, si l'électronique, voilà, c'est pas tellement étanche suivant les endroits, mais au moins le moteur ne prendra pas l'eau et vous ne calerez pas. Donc voilà à quoi sert les snorkels. Mais moi j'aime bien, ça donne un beau petit look pour les 4x4. Donc il y aura ça, il y aura 4 pneus cross. Et puis je vais voir aussi pour suivant la taille qui me reste, du coup pour une galerie. Et mettre un panneau solaire du moins. Et mettre une batterie auxiliaire aussi derrière. Et donc pareil, tout ça, tous les branchements, je vous expliquerai tout. Il va falloir que je mesure. Alors soit je mets une galerie, une petite galerie. Soit je mets juste 2 barres de toit avec le panneau solaire fixé sur les barres de toit. Mais il va falloir que je démonte parce que je pourrais pas me promener partout avec ça parce que je vais me le faire piquer à coup sûr. Donc voilà, il va falloir que j'étudie la chose et vraiment bien regarder là-dessus. Alors si vous avez des idées de montage des fois, je sais que c'est en parlant que... Donc bah, n'hésitez pas à mettre soit les liens sous la vidéo
Je crois que je vais arrêter là parce que là j'en suis à. Je vais être à plus de 30 minutes de vidéo. Et je crois que ça doit vous fatiguer. J'aime pas trop les vidéos qui sont trop longues. À part quand c'est intéressant. Alors si c'est inintéressant ce que je vous explique, il y en a qui ont dû décrocher à coup sûr. Mais tout ça pour vous dire que ben, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de contenu cet hiver. Avant l'achat du 4x4, je me demandais ce que j'allais faire comme vidéo. Et là j'ai pensé, parce que normalement c'est pas ce 4x4 là que je devais avoir. Je devais avoir un autre 4x4 qui est un Toyota RAV4, les derniers modèles, mais avec FAP et tout ça. Les électrovannes là-dessus, c'est pas terrible. Et puis finalement, la personne à qui me le vend repousse encore la date de vente. Donc il fallait que j'attende novembre. Et là, la 106, c'était juste pas plus possible. Donc j'ai vendu. Et puis j'ai trouvé ce Patrol qui est en bon état, qui demande juste une petite révision. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Je ne vais pas dire bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est quand vous allez regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Mettez-les sous la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce et aussi de vous abonner surtout à la chaîne. Moi ça m'aide vachement et puis à mon avis les prochains contenus vont valoir le coup, donc ce serait dommage si vous les ratez parce qu'il y aura beaucoup d'explications sur du truc de tous les jours, sur une voiture, sur tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis visitez la chaîne de Mécano du Dimanche. Je vous mets le lien dans la description. Et à bientôt.